Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit jeu de cuisine, petit non pas si petit que ça, qui a été un gros coup de cœur pour moi à l'époque quand je l'ai découvert sur Nintendo DS, qui est Cooking Mama, et qui a engendré de nombreuses et nombreuses suites sur DS, 3DS, sur Wii également, et qui s'apprête apparemment à faire son retour sur Nintendo Switch. Alors je vais vous laisser découvrir les images, le trailer en fait d'origine de Cooking Mama sur Nintendo DS. Vous voyez, en fait, c'était un jeu de cuisine, tout simplement, mais super fun. Et il y avait tous les détecteurs. À l'époque, on jouait au stylet, sur l'écran tactile, il fallait vite trancher comme on voit. C'était en fait beaucoup un jeu basé sur les réflexes, techniquement. Et je trouvais ça hyper génial. J'ai accroché comme une malade au premier, et après, je me suis fait plusieurs suites. Bon, je les ai pas toutes faites, parce qu'il faut avouer, il y en a quand même beaucoup. Et qu'au bout d'un moment, le gameplay se renouvelait pas forcément. J'hésite à me prendre un opus sur Nintendo Wii parce que j'ai peur qu'avec le Nunchuk et la Wiimote, ça soit un petit peu plus compliqué que sur DS. Mais peut-être que je finirai par craquer, surtout que j'ai un jeu qui me tend les mains, toujours dans un petit magasin d'occasion près de chez moi. Et je me dis que ça serait super sympa de pouvoir redécouvrir un petit peu cette licence avant qu'elle n'arrive sur Switch. Alors je dis bien, pour l'instant, elle semble annoncée. C'est des choses qui ont fuité, des choses qui m'ont l'air quand même tout à fait réelles. D'autant que certaines grandes enseignes commencent à le mettre en précommande. Alors notamment sur le site de la FNAC, on peut voir que le jeu est annoncé pour le 28 avril 2020. Vous le verrez sur la bande-annonce qui va suivre, il est annoncé pour fin mars, donc en fait on n'a aucune idée réellement de la date. Peut-être qu'il y a eu de retard, peut-être que la bande-annonce a été publiée un peu trop vite. On va la redécouvrir ensemble de toute façon. Et on va regarder ensemble ce que nous annonce le site de la FNAC. Donc il nous parle de Cooking Mama, qui se rappellera en fait Cooking Mama Cookstar, et qui devrait arriver très prochainement, étonnamment, sur Nintendo Switch et sur PlayStation 4, puisque pour l'instant c'était uniquement sur les consoles de Nintendo où on pouvait observer la licence. Alors le site nous promet en fait un livre de recettes complet, avec plus de 90 plats à réaliser, passant du burritos à d'autres, et un menu même végétarien. Ils nous promettent qu'il y en aura pour tous les goûts, avec des entrées, plats, desserts, des encas, tous les plats préférés en passant par les dernières tendances culinaires. Le jeu nous promet de devenir un véritable master chef. Et c'est vrai que je me rappelle, il y avait des petits objectifs avec des notes, des étoiles, et c'était fantastique. Et apparemment, il y aurait un mode défi, enfin des défis dans un mode challenge, qui seront mettre nos nerfs à rude épreuve, ce qui promet. Franchement, ça peut être super intéressant. Alors normalement, également, il serait en multijoueur. Alors je ne sais pas sous quel principe, c'est uniquement un concours de notes ou ce genre de choses. On pourrait effectivement en plus jouer en coopération. Alors toujours pareil, coopération sur même console, je ne sais pas, ou coopération en ligne. Ça sera des choses à découvrir quand on en sent un petit peu plus sur le jeu. Et du coup, nous promet un gameplay unique sur Nintendo Switch, puisqu'on pourra jouer à la fois en portable et à la fois sur console de salon. Et on pourrait utiliser les détecteurs de mouvement. Alors, quid de la PSK, je ne sais pas. Je pense que le gameplay sera différent, forcément, puisque on n'aura pas ces deux petites manettes dans chaque main pour pouvoir couper, retourner les assiettes, retourner les plats, etc. À voir comment ils vont réussir à organiser tout ça. Alors, comme je vous le disais, sur Nintendo Switch, on est encore du remède de la plus ou moins rumeur. Ça n'est pas sorti officiellement sur les comptes Nintendo. Par contre, une bande-annonce a clairement été diffusée. A priori, retirée très vite du site d'origine. Donc, est-ce que c'était une erreur ou est-ce qu'au finalement, le jeu ayant pris du retard, peut-être qu'il ne sortira pas comme prévu. En tout cas, on va pas gêner, on va profiter des petites images qu'on voit en arrière-plan et qui nous promettent encore une fois de bien s'amuser. Alors, il y a des choses qui me rappellent ce que j'ai fait et des choses qui ont l'air nouvelles. Donc cette bizarre sandwich, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on retrouve vraiment le design et en plus, je trouve l'univers super craquant. Et à l'époque, c'était franchement, je me régalais. Chaque nouvelle recette, même s'il y a un petit côté répétitif, mais franchement, on s'amuse comme des fous. Et si on peut y jouer en multi, ça serait en fait que du bonheur. Oh là, elle n'est pas contente quand on rate un plat. Ça, c'est clair. Il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Donc voilà, vous verrez, la bande-annonce nous l'annonce pour fin mars. Je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. Le jeu est bel et bien prévu, puisque les rumeurs ont commencé déjà depuis 2019. À quand une date officielle, ça je ne sais pas. Peut-être qu'il sortira un petit peu en version précipitée, ou alors est-ce qu'il faudra attendre. Peut-être qu'on aura une réponse lors d'un prochain Nintendo Direct. En tout cas, moi j'ai envie de partager ça avec vous, parce que Cooking Mama est une licence qui me plaît énormément, qui assume me toucher à travers les âges et auquel j'ai vraiment envie de retoucher aujourd'hui. Parce que c'est frais, c'est vraiment, ça met de bonne humeur.
Et ça fait un petit peu des fois travailler les neurones, et franchement je trouve ce jeu excellent. Et ça serait vraiment dommage, quand on est fan un petit peu de ce genre de jeu, un petit peu ovni hein, quelque part, de rater l'occasion. Alors écoutez, dès que j'ai un peu plus de nouvelles, je reviendrai vers vous. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette licence, si vous la connaissez, à me laisser tout plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis donc à très bientôt, et amusez-vous bien.